occulter l'énorme travail qu'a fait Medidao sur, sur cette, cette courge. En fait, vous voyez, je ne fais que l'éplucher. On ne fait que l'éplucher pour faire une œuvre d'art éphémère. Et puis après, une fois que... Parce que là, les peaux ne se mangent pas, hein, parce que là, il faut aller sur, sur cette chair-là. Et une fois qu'elle est faite, eh ben, demain ou après-demain, on va couper plein de tranches et on va offrir ça à tout le monde. Que chacun puisse se régaler avec cette citrouille géante, ce potiron géant. Donc pour l'instant, on fait une œuvre éphémère. Ça sera la plus grande sculpture du monde, puisque en fait, vu qu'elle fait 984 kg et c'est la plus grande organique, donc naturelle, donc ça n'a jamais été fait. Voilà. Donc fier de le faire, fier de faire ce petit challenge. Là, ça commence à le faire un peu. J'aimerais bien avoir autant de bras qu'elle pour pouvoir arriver à le faire, mais ça va, on va y arriver.